My name is Gary Metalik Sr. I'm the traditional spokesperson, district chief of our district, which is known as 7th District Kespegawagi. Kespegawagi in Mi'kmaq means the last land because of the peninsula. I'm from Listowitz, the community of Listowitz, a Mi'kmaq community. You know, water is life for everybody. That's the most important resource that we as humans have. And our ancestors have been practicing that, you know, in their time, the protection of water, not only water, but wildlife and fauna throughout the whole district. So I think the connection is still there with our people, the present generations, trying to protect the waters, wildlife, and fauna. You know, it's all important. We all have a common aspect to that. And some of it, you know, we did inherit from our ancestors because in their time they had to because of continued survival. You know, they had to make sure that the water was not contaminated anyway, or the wildlife and species had to be there because they were dependent on it. I don't think that changed too much now in regards to water especially. I mean, if we don't have clean water, you know, we don't have anything. Wildlife is the same. If you have contaminated water, and it affects, you know, them too. So everything is like a chain. And I could say that from here to the Gaspésie to Nova Scotia, where they have another protest camp over there, Mi'kmaq people protesting a company that wants to dump brine or whatever they call it into their river. What's that going to affect the fish? But when you come down from all the districts, you know, we have that one common value, and that's to protect our waters, wildlife, and fauna. Donc, je m'appelle Cédric Chavanne. Je suis professeur en océanographie physique à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Et là, présentement, je suis sur le quai auquel est attaché le Coriolis 2, donc le bateau de recherche de l'Université du Québec à Rimouski, sur lequel je vais partir pendant 6 jours pour un cours de sonographie de nos étudiants à la maîtrise. La passion pour l'eau, je pense, ça date de mon enfance. Mon père m'a initié assez jeune à la planche à voile, puis c'est un sport que j'adorais. Et après, il s'est acheté un voilier, on allait tous les étés en vacances avec le voilier. Et donc, je voulais faire un métier en rapport avec l'eau. Et puis, ma matière préférée pendant mes études, c'était la physique et les mathématiques. Donc, quand j'ai appris qu'on pouvait faire de la physique de l'océan, je me suis embarqué là-dedans. Mais là, spécifiquement, là, c'est pour donc un cours de sonographie expérimental. Donc, on emmène les étudiants en mer et puis on leur montre comment on prend des mesures dans l'eau directement. Donc là, en fait, il y a 4 volets principaux en océanographie. Il y a la physique, donc je suis responsable sur cette mission. Il y a la biologie, la plupart des gens pensent toujours à la biologie quand on parle d'océanographie, mais c'est juste une des 4 disciplines. Il y a la chimie et la géologie. Et donc là, on va leur faire toucher à toutes ces disciplines pendant la mission. Ce que j'étudie, en fait, est plutôt fondamental. C'est en lien avec les changements climatiques, mais vraiment en bout de ligne. Grosso modo, ma thématique de recherche, c'est que lorsqu'on veut faire des prévisions des changements climatiques, on utilise des modèles numériques de l'océan, de l'atmosphère, de la cryosphère, de toutes les composantes du climat. Typiquement, les cellules dans les modèles océaniques sont de l'ordre de 100 km. Donc tous les processus en dessous, on n'arrive pas à les résoudre. Et pourtant, on sait que tous les processus sont liés les uns entre les autres. Donc même les processus à des échelles inférieures à 100 km vont affecter les échelles au-dessus de 100 km. C'est le fameux effet papillon dans l'atmosphère, là. Il y a la même chose qui se passe dans l'eau. Donc moi, en fait, ma thématique, c'est d'aller observer des phénomènes à des échelles plus petites que 100 km pour voir de quelle manière elles impactent les échelles plus grandes qui sont résolues dans les modèles. C'est ça. Moi, je suis Michael Rioux. On est sur le bord de la rivière Trois-Pistoles. C'est ici que je suis né. Quand j'étais petit, dès mon tout jeune âge, là, avec mon père, on allait
On traversait le fleuve ici, juste en face. On était à Doussac derrière. On allait voir les baleines. Et donc, c'est ce qui m'a sensibilisé, je dirais, là, à la protection de l'environnement. Mais au fil des années, qu'est-ce qui a fait un jour que je me suis tourné vers l'activisme environnemental pour protéger l'environnement? Bien, c'est que quand j'avais 25 ans, juste un peu plus haut sur la rivière Trois-Pistoles, ici, il y a un promoteur privé qui a développé l'idée de faire un projet de barrage hydroélectrique privé. Donc, c'était un peu le retour de la privatisation chez Hydro-Québec. On voulait recommencer à faire des projets privés. Et donc, ici, c'était pour détruire là, une magnifique section de la rivière Trois-Pistoles. Ce que le promoteur proposait en échange à la communauté, c'était des redevances faméliques de 25 000 $ par année. Donc, c'était un endroit où on allait se baigner quand on était jeune avec les amis et tout ça. C'est un magnifique section de la rivière Trois-Pistoles où il y a des chutes, bien entendu, parce que pour faire un barrage, ça prend des chutes. Donc, à ce moment-là, quand j'ai vu que le promoteur s'enlignait pour faire le barrage, on a monté une petite équipe ici pour se battre contre ce projet-là. À travers les semaines qui ont passé, bien, on a fait des manifs, on avait écrit des lettres, on a fait beaucoup de démarchages plus conventionnels, je dirais. Puis, bon, les travaux ont commencé malgré tout. Quand on s'est rendu compte que les travaux étaient commencés sans avoir le décret ministériel, on s'est dit, bon, bien, si eux, ils sont rendus à jouer ce jeu-là, nous, on va y aller dans l'action directe. Moi, j'avais, au fil des ans, lu beaucoup sur les activistes de Earth First, la Terre, qui étaient des activistes, dans le fond, qui faisaient des actions directes, surtout aux États-Unis, pour défendre des forêts, des séquoias géants. Donc, c'était des gens qui campaient dans les arbres. Et puis, bon, ça m'a inspiré à développer l'idée d'aller installer une tyrolienne. Et puis, avec une tente suspendue au-dessus de la rivière, à l'endroit où on voulait dynamiter un cap de roche pour installer la centrale hydroélectrique. L'idée de ça, c'était, oui, bloquer les travaux concrètement, mais également attirer l'attention des médias vers un dossier qui, somme toute, là, c'est pas une centrale nucléaire qu'on voulait construire ici, c'est un petit barrage au fil de l'eau. c'était difficile d'avoir l'attention médiatique. Et donc, avec un coup d'éclat comme ça, ça a vraiment bien fonctionné. On a réussi, après 40 jours de siège sur le bord de la rivière Trois-Pistoles, à arrêter le projet de barrage ici. Mais bon, c'est une époque qui, on espère, révolue. Mais moi, j'ai quand même pour mon dire, tant qu'il va y avoir des chutes, il va toujours avoir des promoteurs avec l'idée de vouloir les arnacher. Mais bon, on essaie de veiller au grain face à cette menace-là qui est quand même encore présente aujourd'hui. On l'a vu dans les dernières années avec Val-Jalbert, avec la Romaine encore. Donc, il faut rester à l'affût, là. Je m'appelle Jean-Christophe Lemay, je suis biologiste de formation puis je fais de la photographie aussi du fleuve Saint-Laurent puis de l'environnement marin qu'on retrouve dans le coin de Rimouski depuis environ 5 ans maintenant. Mes parents m'apportent à l'océan depuis que j'ai... En fait, je savais même pas encore marcher qu'ils m'apportaient à l'océan Atlantique. Puis je suis rapidement tombé en amour évidemment avec l'eau. On y allait 3, 4, 5 fois par année facilement. Puis à partir de l'âge de 18 ans, j'ai commencé à passer mes étés à Virginia Beach. Et puis j'étais sauveteur à cet endroit-là, j'ai commencé à faire du surf également. Et puis j'aimais tellement passer les moments dans l'eau que j'ai voulu commencer à les partager avec les gens. J'ai pris des photos de vagues, ça a commencé comme ça. C'était pas des super belles images, mais j'avais tellement de plaisir à les faire que je continuais tout de même. Et puis à la fin de ces 3 étés-là que j'ai passé aux États-Unis, je me suis inscrit au bac en biologie marine à Rimouski. Et puis là, ça a vraiment déboulé au niveau photo dans le sens où j'ai exploré les fonds marins. Je me suis concentré beaucoup sur tout ce qui était vagues, eau, la biologie évidemment, avec tout ce que j'étudiais. C'était super intéressant d'aller l'explorer directement sur le terrain. Et puis maintenant, mais ça fait environ 5 ans là, que je me concentre un peu plus sur cet aspect-là de la photo. C'est difficile à expliquer pourquoi je trippe à ce point-là sur les moments dans l'eau. Je pense que une des raisons, c'est que quand je suis dans le fleuve ou dans l'océan ou peu importe, mais j'oublie un peu tout le reste. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est genre dans l'eau, puis là, on dirait que tout ce que je fais, c'est prendre des photos ou explorer ce qui se passe dans l'océan ou dans le fleuve.
Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ça. Puis c'est aussi que sous l'eau, on n'entend rien. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, à Rimouski seulement, c'était vraiment de voir la diversité, principalement. Dans le sens où, oui, je savais qu'il y avait beaucoup de vie parce que je l'avais étudié, évidemment, mais je m'attendais pas à voir autant de trucs différents. Puis aussi près du rivage, en fait. Tout le monde se dit que dans le golfe, c'est super riche, puis c'est vrai qu'il y a une plus grande biodiversité dans le golfe que dans l'estuaire. Mais même en zone là, intertidale, dans la zone d'influence des marées, on retrouve plein de choses. Fait que c'est accessible pour tous, en fait. T'sais, moi, j'y vais, puis je prends le temps de mettre mon wetsuit pour aller faire de la photographie, mais n'importe qui a un minimum de patience pour aller voir ce qu'on a, puis c'est ça qui est trippant aussi, puis qui est étonnant, en fait. Le plus inquiétant, c'est souvent, par exemple, en zone de jonction de courant, il va y avoir une laisse de mer, puis dans la laisse de mer, là, on retrouve plein de déchets la plupart du temps. Ça, c'est super triste parce que des fois, je me déplace au large, que ce soit en SUP ou en apnée, puis on finit par trouver, c'est ça, beaucoup de déchets dans l'eau. Bien, je m'appelle Lynn Morissette, je suis biologiste marine. Moi, ma connexion avec l'eau, c'est que bien, c'est mon travail. Je suis née presque les pieds dans l'eau ici, sur le littoral, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis depuis ce temps-là, j'y ai consacré ma carrière. Puis mon métier, c'est de trouver des solutions pour faire de la conservation des océans. Aujourd'hui, on est ici parce que il y a une des causes dans laquelle je m'implique beaucoup qui s'appelle la mission 10 tonnes. Qu'est-ce que c'est la mission 10 tonnes? Bien, c'est un ami à moi, Jimmy Vigneux, qui est un gars de Montréal, qui s'est tanné un jour de juste repartager sur les médias sociaux des choses qui l'indignaient par rapport à l'environnement, puis il trouvait que juste partager l'information, ça faisait pas grand-chose au final, puis il voulait faire quelque chose de plus concret. Donc, ce qu'il a décidé de faire, il m'a appelé, puis il a dit « Hey Lynn, j'ai le goût de ramasser 10 tonnes de déchets dans les cours d'eau du Québec ». Puis moi, ben j'ai dit oui parce que je crois en ça, puis je trouvais que c'était une bonne idée. Puis ensuite, j'y ai pensé, puis je me suis dit, oh, OK, peut-être que 10 tonnes, c'est beaucoup. Mais bon, on a réussi. Ça aura pris 75 jours, alors qu'on s'était prévu le reste de l'année pour le faire. Ça aura pris 75 jours pour ramasser 10 tonnes de déchets. Aujourd'hui, on est au mois d'août, et puis on a dépassé le 10 tonnes. On est à 11 point quelques tonnes. Et puis on continue parce que le problème est loin d'être réglé. Puis la mission 10 tonnes, bien, au-delà de ramasser des déchets, ça a une énorme puissance éducative aussi, parce que les gens qui participent avec nous, on a une vague de popularité incroyable sur les médias sociaux. Les gens qui participent avec nous deviennent du coup sensibilisés à la protection des océans, donc on fait d'une pierre deux coups. On nettoie les océans, mais aussi on sensibilise de plus en plus de personnes, des jeunes, des moins jeunes, à cette cause-là qui est le plastique dans les océans. Donc, puis on essaie de rendre ça agréable. Donc aujourd'hui, on est au 6 à 8 de la mission 10 tonnes. C'est comme un 5 à 7, mais une heure plus tard. Puis ben, on part à la recherche des débris marins sur les plages du Québec. Je m'appelle Pascal Bergeron. On est au milieu de la rivière York en ce moment, à une vingtaine de kilomètres de Gaspé. On est juste à côté du site du camp de la rivière Galt-Junex, qui est un camp... On a fêté le premier anniversaire hier. C'est un camp qui s'est mis en place pour protester contre les forages de Junex sur le site de Galt. C'est des gens de tous les horizons qui sont passés par le camp de la rivière depuis le début, là. Autant des gens qui sont dans une logique plus anticoloniale, qui voient la lutte environnementale indissociable de la lutte pour la souveraineté autochtone sur le territoire, que des gens qui ont une vision beaucoup plus citoyenne de ce qu'il y a à faire là, pour sortir les pétrolières du territoire. Fait que ça a été un lieu de convergence qui a permis à plein de gens d'échanger, de dialoguer. Là.
Bonjour, mon nom c'est Adrienne Hood. Moi, je demeure, je suis née au bord du lac Long, ici, d'où on se trouve actuellement. J'ai appris à nager dans ce lac-là, je nage toujours, j'adore l'eau. Même, je pense que dans mon ancienne vie, j'étais peut-être un poisson, tellement j'adore l'eau. Et puis, il y a quelques années, je me suis rendu compte que notre lac avait commencé à changer. J'ai aperçu des algues vertes filamenteuses. Et puis, j'ai décidé de former un comité, une association de protection pour le lac Long, pour voir la cause, essayer de trouver s'il existait des solutions pour ralentir le processus de vieillissement. On a fait un sondage pour voir les gens s'ils avaient aperçu aussi un changement dans leur devanture de chalet, une prolifération de plantes. Puis effectivement, oui, les gens avaient aperçu un changement. Il y a 22 avant. L'OBV m'a aidé beaucoup, mais j'ai fait des recherches personnelles sur le sujet aussi, vu que ce sujet-là m'intéressait énormément. Donc, j'ai fait l'étude des plantes aquatiques par moi-même sur Internet avec d'autres études qui avaient été faites. Fait qu'avec les réseaux de surveillance volontaire des lacs, il n'y avait pas nécessairement de protocole pour les plantes aquatiques, mais je m'en suis monté un, puis on le fait en 2016, l'inventaire des plantes aquatiques, les herbiers. On le refait cette année, puis déjà là, en 2 ans, on s'aperçoit que les zones se sont élargies. On se rend compte également que les plantes commencent à changer. On serait rendu au stade mésotrophe, là, à certains secteurs du lac, là. On est en processus de vieillissement, accéléré dû à plusieurs choses, plusieurs facteurs. Je m'appelle Kim Charbonneau. Je travaille pour l'organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean. Je suis coordonnatrice en projets environnementaux là-bas. Donc, nos bureaux sont à Témiscouata sur le lac. Pour ma part, j'ai toujours su que je voulais travailler dehors. Donc, maintenant, me voici ici, en face du magnifique lac Long. Pour travailler là, justement la préservation des écosystèmes aquatiques. Non, les petits cubicules, là, les murs tout fermés avec le petit bureau où que tu t'enfermes là toute la journée. Non, c'est pas pour moi ça. Ça n'a jamais été pour moi. L'organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean, en fait, on est une quarantaine d'organismes de la sorte au Québec. Puis ben, notre mission, c'est de mettre en œuvre la gestion intégrée de l'eau sur le territoire. C'est une grande mission qui consiste essentiellement à rassembler tous les acteurs de l'eau sur le territoire. On réalise le plan directeur de l'eau. Plan directeur de l'eau qui est issu là, de plusieurs rencontres de concertation avec les acteurs du milieu. Donc, tout le monde qui utilise le territoire et profite de l'eau sur le territoire. Fait que le but là-dedans, c'est de connaître les besoins de tous et chacun, puis aussi les usages que tout le monde fait de l'eau. L'objectif est de préserver la quantité, la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques, tout en pouvant conserver aussi les usages là, qu'on en fait. En ce moment, puis la raison pour laquelle on est ici au lac Long, c'est pour valider là, la présence ou l'absence, on espère, là, de plantes aquatiques exotiques envahissantes. Ce que c'est, en fait, c'est une plante là, qui viendrait d'ailleurs, par exemple comme le myriophylle en épi, dont on parle beaucoup ces temps-ci, myriophylle en épi qui vient d'Eurasie, qui a été transportée ici puis qui colonise maintenant les plans d'eau. C'est une plante qui est dit envahissante, puisque quand elle s'installe dans un milieu, bien, elle vient à prendre la place des espèces qui sont naturelles au lac, les espèces indigènes. Puis il peut causer toutes sortes de problèmes, notamment aux usages qu'on fait de l'eau, comme la baignade, puis aussi bien, la circulation là, en embarcation. Au parc La Soleil, à Québec, on le trouve dans le lac Témiscouata. Fait que celui-là, si tu le vois dans le lac Long, faut qu'on le sache le plus rapidement possible. Bien, au Québec, là, il y en a plus d'une centaine de lacs qui sont touchés. Mais ici, au Témiscouata, en fait, on a le lac Témiscouata seulement, que la présence du myriophylle en épi a été validée. Donc, on est déjà aux prises là, avec plusieurs herbiers là, de myriophylle en épi qui est bien installé. C'est donc une plante avec laquelle il va falloir vivre maintenant au lac Témiscouata. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle se propage dans les autres lacs. Comment ça pourrait arriver? Bien, c'est vraiment les embarcations finalement qui passeraient du lac Témiscouata, ramasseraient des fragments avec l'hélice du moteur ou la remorque, puis les transporteraient dans un autre lac. Donc là, c'est comme ça. Un petit fragment peut s'implanter dans un autre lac et partir une colonie. Normalement, dans une vie, on ne devrait pas percevoir
d'évolution visuellement. Ça devrait se faire sur des dizaines de milliers d'années. Et nous, en l'espace de 10 ans, on a déjà vu une prolifération des plantes et un changement. Donc, c'est accéléré. Moi, un des instruments de recherche que j'utilise, en fait, ce sont des radars côtiers que j'installe le long de la côte qui envoient des ondes radio sur l'océan. Puis en mesurant les échos de ces ondes radio, j'arrive à en inférer les courants à la surface de l'océan. Donc comment l'eau se déplace en surface. Et mes instruments fonctionnent tout le long de l'année, donc notamment en hiver. Au début, je les avais installés à un endroit sur la côte nord, vraiment tout au bord de l'eau, à Pointe-aux-Tarn. Puis ils sont restés plusieurs années comme ça, sans problème. Et puis une année, les glaces étaient beaucoup plus tardives que d'habitude. Et il y a une grosse tempête à Noël qui est arrivée, qui habituellement était... les vagues étaient atténuées par la présence de glace. Et bien, cette année, ce n'était pas le cas. Elles ont tellement érodé la plage que toutes mes antennes de mon radar sont tombées. Là, je pense que les scientifiques sont de plus en plus formels, que... on est responsable du réchauffement climatique et que si jamais la température moyenne dépasse 2, 3 degrés, voire 4 d'ici la fin du siècle, on s'en va peut-être vers des troubles assez conséquents. Et donc il commence à être vraiment urgent que la communauté internationale agisse là-dessus. Oui, elle me préoccupe beaucoup parce que ça a toujours fait partie de ma vie. Je suis une amante de la nature. Je pratique de la voile. Depuis ma jeune enfance, je me baigne dans ce lac-là. Puis ça me tient à cœur parce que aussi c'est un héritage à laisser à nos enfants. Ma mère, qui a 92 ans, profite encore du lac. Elle s'émerveille à chaque fois que je vais en pédalo avec elle. Regarde si c'est beau. Puis j'espère d'avoir la même chose quand je vais avoir son âge. Ah, les plus grosses menaces, en tout cas dans les lacs sur notre territoire, ce qui est certain, bien, les plantes aquatiques exotiques envahissantes, c'est une menace. C'est une menace aussi qui ira pas en s'améliorant avec les changements climatiques, qui risque d'ouvrir la porte là, finalement à d'autres espèces potentielles qui viendraient prendre la place des espèces indigènes puis bousculer l'équilibre. Donc c'est pour ça que c'est important là, à toutes les fois qu'une embarcation entre, de laver finalement l'embarcation, puis d'éviter de faire des introductions volontaires aussi. Si les lacs sont en santé sur notre territoire, c'est une question qui est difficile à répondre en ce moment parce qu'on manque de données. Mais ce qu'on observe, puis qui est confirmé aussi par les observations des riverains là, qui vivent sur le bord des lacs, c'est qu'il y a de plus en plus de plantes aquatiques, aussi d'algues qui sont observées et qu'il y a une récurrence là, de cyanobactéries. Donc ça, ce sont tous des éléments qui sont des indicateurs pour nous dire qu'il y a un enrichissement qui se produit au niveau du lac, un enrichissement qui serait plus rapide que ce que ça devrait être naturellement. Donc, ça nous dit aussi qu'il faudrait prendre plus soin de nos lacs puis réduire les sources de sédiments, de nutriments, de phosphore là, qui arrivent au lac. Donc, dans la majorité des cas, oui, c'est la cause est humaine parce que, justement, c'est vraiment le développement autour des lacs là, à proximité qui vont entraîner un enrichissement de l'eau. Donc, des éléments nutritifs qui vont aller vers le lac, que ce soit par des sédiments à cause des fossés de drainage ou par l'érosion des berges à cause du mouvement des vagues. Ou aussi en utilisant des engrais à proximité sur les propriétés riveraines, en utilisant des produits qui contiennent des phosphates, aussi des fosses septiques qui sont mal entretenues. Donc, c'est tous des éléments qui amènent des éléments nutritifs au lac puis qui vont faire en sorte que son processus, finalement, de vieillissement va être accéléré. Chose qui ne serait pas le cas si on n'était pas là, à moins d'un événement climatique extrême. Il y a tout le collectif scientifique sur la question des gaz de schiste qui est sorti pour dénoncer les dangers de contamination de l'eau liée au forage des hydrocarbures. Fait que sans prendre parti publiquement nécessairement pour nous, pour plein de raisons, mais ils veulent garder une distance, justement, la distance de la science, ils ont quand même des positions qui vont dans le même sens que nous. Puis nous, on s'abreuve à ce que ces gens-là vont sortir. Là.
On a tendance dans notre monde à se laisser déposséder des grandes questions puis à les remettre entre les mains des technocrates. En fait, ces questions-là nous touchent tous de manière très intime. Cette rivière-là, est-ce pour ainsi dire une rivière d'eau potable? Il n'y en a pas des masses de rivières d'eau potable sur la planète qui ont un taux de contamination très faible, autant virale, bactériologique que chimique. Puis ça, c'est ce dont on dépend pour vivre. T'sais, en survie, il y a une règle, la règle des trois, là, on survit 3 secondes à un danger immédiat, 3 minutes, pas d'air, 3 heures hypothermie, 3 jours, pas d'eau. C'est ça, là. T'sais, on parle de l'eau en ce moment, mais il y a d'autres questions au niveau environnemental. C'est sorti, ça a été dans les journaux cette semaine, qu'on venait de franchir le seuil des ressources qu'on pouvait consommer pour l'année. Là. Ça nous prend 7 mois. Ça nous prend 7 mois, puis il en reste 5 après ça où on vit à crédit. Puis ce crédit-là, c'est sur les générations. Sur les générations futures, c'est sur les générations là, là. C'est pas la septième, là, c'est la première, puis la deuxième après nous, c'est mon fils. Je vis à crédit sur ce que mon fils va avoir demain. Là. I support it because those two rivers, you have salmon running through those rivers. And for us as Mi'kmaq, especially in our district, the 7th district, salmon has always been a main part of our diet. And we don't want those rivers to be poisoned in any way by, let's say, fracking or oil drilling. So that's why it's very, very important to us. It's part of our culture. You know, in regards to the outside populations, you know, when we talk about the municipalities and the people that live there, there's sort of a mixed reaction because many of these people are thinking about just jobs. They're not thinking about the consequences. And I saw that throughout the past year when we were supporting the river camp. You know, the municipalities that were close to that area didn't support the camp because jobs. But I wish those people would realize that it's not all about jobs and money. You know, everything dries up in that category. Money, it's like money you can't, our old saying, you can't hold money. It's like trying to hold water, it'll dry up between your fingers. Il y a des endroits qui ont un peu de surpêche, mais ici, il n'y a pas de compétition parce qu'on est seul sur ce territoire-là. L'espace est pour nous, alors c'est moins compliqué à gérer quand on est tout seul comme ça que quand il y a 3 ou 4 bateaux. Là, mais nous, c'est sûr que quand tu peux voir tout ce qui est rejeté à l'eau, là, mais ça, c'est l'oursin pour les années futures. Hein. Comme lui, là, vois-tu, c'est certain que l'année dernière, il était trop petit. Là, il est sa limite cette année. Tu sais, mais idéalement, on le remet à l'eau. L'an prochain, il va être plus gros. Ça, habituellement, on donne un oursin de cette taille-là environ 5 ans. Oui, mais j'ai toujours travaillé avec la mer. Avant, j'étais en recherche et développement à l'UQAM. Oui, c'est ça. Avec ton père, d'ailleurs. Ah oui. Ouais, j'ai fait ça pendant 12 ans, je pense. Puis ben là, on a l'usine qui transforme le produit aussi à Sainte-Luce. Okay. Ouais. Ça s'en va dans les restaurants de fruits de mer de Montréal, Québec, beaucoup. Très peu en région aussi. C'est un produit qui est méconnu ici. Vraiment, il n'est pas utilisé du tout, du tout.
le citoyen a un pouvoir, mais son pouvoir vient du fait de son... de sa sensibilisation, de ses connaissances. Moi, il y a 4 ans, j'aurais pas pu vous parler de cette façon-là parce que j'étais pas assez sensibilisée sur l'importance de faire attention au plan d'eau. Fait que finalement, un plan d'eau, c'est fragile. Faut en prendre soin. Alors, le regarder comme ça, il y a de l'air super en santé, mais quand on fait un rayon X, par rayon X dans un lac, je parle quand on l'observe avec soit des lunettes de plongée, un masque de plongée, on voit qu'en dessous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un problème. Fait que je crois que c'est important, chaque citoyen, d'être à l'affût de ce qui se passe. Si on remarque sur le bord de l'eau des plantes aquatiques qui arrivent, qu'on n'avait pas avant, bien, peut-être communiquer avec l'OBV pour voir les changements qu'on aperçoit. Le citoyen, c'est un collaborateur essentiel, en fait, là, dans nos travaux, puisque c'est eux qui vivent, les riverains, ils vivent sur le bord des lacs. Puis souvent, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc, eux-mêmes ont de l'information qu'ils peuvent nous fournir, qui nous aident ensuite à monter des projets, à avoir des données plus fiables sur les lacs, puis même juste à orienter des fois nos projets. Donc, par exemple, pour les plantes exotiques envahissantes, bien, quand je vais sur un lac, je contacte des riverains qui peuvent venir ensuite avec nous. Puis, bien, ces riverains-là savent qui se met à l'eau, où. Donc, il est où le débarcadère que le monde utilise le plus souvent, tout ça. Donc, on peut cibler nos recherches là, de cette façon-là. Adrienne, qui fait des inventaires de plantes aquatiques, qui fait aussi les inventaires de périphytons, puis qui prend les échantillons pour le réseau de suivi volontaire des lacs. Donc, on pourrait difficilement avoir une plus fiable collaboratrice. Aussi, mais je pense que si chaque lac sur notre territoire avait son Adrienne, notre travail serait beaucoup plus facile. Oui, mais la beauté du travail dans un organisme de bassin versant, c'est beaucoup ça. C'est vraiment le contact avec les gens, avec les gens qui s'inquiètent pour leur lac, avec des gens qui ont des idées de projet ou... les gens qui débarquent à mon bureau comme ça avec un Ziploc, avec une petite plante verte à l'intérieur, puis qui veulent savoir c'est quoi. Puis qu'ensuite, on peut sensibiliser sur toutes sortes de sujets. Nous, moi et mon épouse, on vient tous les deux de la rive sud de Québec, de Lévis. Et tous les ans, depuis 4 ans, 5 ans, on vient ici à Métis passer nos vacances. Et depuis 3 ans, on a décidé de faire quelque chose pour la planète. Alors, on se promène sur le bord de la mer et on ramasse les déchets qui sont là. Et tous les années, on fait toujours le même trajet un peu, mais on en trouve autant d'une année à l'autre. Il y en a toujours autant d'une année à l'autre. C'est sûr, la mer amène beaucoup de déchets. Et pour nous, c'est important de nettoyer ce bel espace-là qui est magnifique. Et puis, en 5 heures cette semaine, on a ramassé 95 livres de déchets. C'est triste des fois de voir ça, mais c'est triste, mais ça, c'est pas juste aujourd'hui, ça fait des centaines d'années, c'est comme ça, là, que le monde prenne le bord de mer comme un dépotoir, puis à ce moment-là, peut-être qu'un jour, peut-être les gens vont être plus conscients, puis faire plus attention, puis faire comme nous. Et je trouve que l'avenir est dans les jeunes, comme la petite jeune là, qui est avec nous autres ce soir. In regards to that question, you know, if we and the Quebecers have something in common, and you know, that... you know, in our report, in regards to the waters and wildlife and fauna, you know, they have a good track record based on my relationship that I've had with the environmental groups, and there are many. It's not just one, but they're throughout the province of Quebec. You know, I was asked to go to Montreal and speak about, you know, about how we feel as Mi'kmaq in the protection of waters and so forth. So I met a lot of committed people, especially the younger generation Quebec people, you know, both men and women. And I was very, not surprised, but I have to give them credit for their commitment. And when I look at the Riviere camp in Gaspésie, Pascal Bergeron, there's Christian Tremblay, there's François Forillot, and so many more, especially also the students of the University of Quebec. They're very involved in that.
And to be, I'll give you an example of the commitment that I speak about. They were there last year from last August to throughout the winter, and this winter was a brutal, it was a very long winter, you know, and they stayed there. So I have to say, yes, they're very committed to the protection of their the waters, wildlife, and fauna. Cette bataille-là bien, m'a amené sur plusieurs fronts par la suite. Et comme j'étais et je suis encore guide de kayak dans la région ici, donc je me promène sur le fleuve. J'habite juste devant le fleuve Saint-Laurent. On est à quelques kilomètres de Kakuna, qui est juste un peu plus, une quinzaine de kilomètres plus à l'ouest. Donc, quand est arrivé l'épisode du port pétrolier de TransCanada qu'on voulait construire à Kakuna, j'ai eu l'impression qu'on voulait vraiment attaquer l'intégrité du territoire où j'habite, parce qu'il faut être conscient que s'il y a un déversement qui se passe à Kakuna, c'est l'île verte, c'est la baie de l'île verte. Ce pétrole-là, ça descend jusqu'ici, jusque dans l'embouchure de la rivière Trois-Pistoles. C'est les belugas que j'allais voir quand on était jeunes qui étaient menacés par ce projet-là. C'était dans la pouponnière des belugas. Donc, avec l'expertise que j'avais acquise avec les différentes batailles citoyennes que j'avais menées, je me sentais bien outillé pour aller encore une fois monter au front puis faire face à ce projet-là. Donc, à cette époque-là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'était de mettre en place une marche citoyenne pour partir de Kakuna jusqu'à Kanasetake, tout le long du pipeline. Dans le fond, on remontait le pipeline en traversant les communautés qui allaient être traversées par ce pipeline-là pour rencontrer les citoyens, les informer, aussi aller chercher de l'information, réseauter les gens entre eux. Donc ça, c'était vraiment un projet qui était porteur, je dirais, dans tout ce que j'ai fait comme activisme. Je trouve que c'est, au niveau de l'éducation populaire, c'est une des plus belles actions qu'on peut faire, c'est ce genre de marche-là. Parce qu'on rencontre les gens sur le terrain, on les met en contact avec les villages tout au long qu'on rencontre. Puis en même temps, les gens qui marchent avec nous, le soir, on fait des formations, on donne des ateliers et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un camp de formation mobile. Ça a vraiment un gros impact aussi, puis ça encourage les gens qui se sentent souvent isolés dans les communautés. Bien, quand ils rencontrent une gang de jeunes dynamiques comme ça, qui sont prêts, qui font tout ce travail-là pour les aider, ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls, puis ça les motive vraiment à continuer. En plus de ça, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait installé une vigile pour surveiller les travaux, parce que faut comprendre que les travaux préparatoires à l'aménagement du quai qu'on voulait installer pour le quai d'exportation de pétrole à Kakuna, il y avait déjà commencé des travaux. Donc, on avait des relevés sismiques qui avaient été faits. Nous, on est allés en kayak pour enregistrer avec un hydrophone le son que faisaient ces relevés sismiques-là. Donc, on a surveillé également les travaux, les allers-retours qu'ils faisaient. Ils ont fait plusieurs contraventions alors qu'ils se devaient de respecter, selon eux, les plus hauts standards en matière de sécurité. En étant sur place, ce qu'on constatait, c'était que ce n'était pas le cas. Donc, on a fait des plaintes au ministère de l'Environnement pour leur signifier qu'ils ne respectaient pas le certificat d'autorisation environnementale dans lequel ils s'étaient engagés de respecter. Donc, on a organisé deux manifestations à Kakuna, une en avril, où on a rassemblé en l'espace d'une semaine 500 personnes, et une autre en octobre, où on a eu 2500 personnes, qui a fait en sorte que vraiment, là, c'était vraiment montrer, regarder, là, ce projet-là, ça n'ira pas de l'avant si facilement que TransCanada le croit. Ensuite de ça, on a fait plusieurs autres manifestations. Donc, je pense que la dernière manifestation qui a vraiment scellé le clou dans le cercueil, c'était à l'Office national de l'énergie.
en septembre, quand l'Office national de l'énergie est arrivé à Montréal, on a perturbé l'Office national de l'énergie pour dénoncer le fait que trois des commissaires avaient rencontré Jean Charest, qui travaillait pour TransCanada à l'époque. Donc, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. L'Office national de l'énergie devait reprendre leurs travaux. La donne économique a également changé. Donc, TransCanada a décidé d'abandonner son projet finalement. Mais encore une fois, ça démontre que malgré que des fois, on a toujours l'impression que c'est un peu David contre Goliath dans ces gros projets-là, bien, l'histoire démontre que c'est David qui a gagné. Puis on a des beaux exemples au Québec de luttes citoyennes qui ont été gagnées par David. Nous, ce qu'on avait fait ici, c'était pas seulement de s'opposer à un projet. On avait développé un festival environnemental pour montrer aux gens de la communauté que, oui, on était opposé à un certain type de développement, mais on était aussi pour un autre type de développement au niveau régional, au niveau environnemental, qui n'a pas d'impact sur l'environnement, puis qui peut apporter des retombées économiques et d'autres sortes de retombées, comme l'éducation, la sensibilisation, qui ne se calculent pas en dollars, mais qui font vraiment une différence quand on éduque une population, quand on sensibilise une population à différents enjeux environnementaux, bien, c'est ça, ça se calcule pas en dollars. Mais c'est ce qu'on a fait pendant 12 ans avec un festival qui s'appelait EcoFight. Chaque cause qu'on gagne, c'est déjà ça. Puis ça donne espoir aussi aux gens de s'impliquer, de dire, regardez, là, on est très cynique, mais c'est encore possible de changer les choses. À savoir, est-ce qu'on va réussir à empêcher la crise climatique qui est déjà à nos portes puis qui est déjà en train de se passer? J'étais un peu pessimiste face à tout ça, mais c'est pas ce pessimisme-là qui va m'empêcher de passer à l'action puis d'agir pour protéger la planète. Mais j'ai l'impression qu'on a passé un espèce de point de non-retour. On va frapper le mur. On est là présentement. C'est comme si on était dans la même voiture. Notre civilisation est dans une voiture, puis on est tous là à chicaner, c'est qui va prendre le volant. Puis là, c'est Donald Trump qui pèse à 200 km/h sa pédale à gaz. Ça serait le fun d'avoir un coussin gonflable, de l'enlever du volant, mais j'ai l'impression qu'on va quand même frapper ce mur-là sous peu. Moi, 2030, 2035, 40, là, quand on regarde le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, ce que le Club de Rome avait sorti dans les années 70, on regarde les graphiques, ça ressemble à pas mal ça, là, l'effondrement du système dans lequel on est, malheureusement. Il y a des livres qui ont été écrits de plus en plus là-dessus. C'est toujours pire. C'est de plus en plus rapide. L'effet albédo avec la calotte glaciaire qui rejetait 90 % de l'énergie du soleil. Là, maintenant, c'est l'océan qui absorbe 90 % de ce soleil-là. Donc, c'est comme des effets d'entraînement qui sont déclenchés puis qui vont être effectivement très difficiles à réinverser, sinon impossible à réinverser. Donc là, il faut s'adapter. Il faut essayer de diminuer cette collision frontale-là qui nous guette. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas juste les petits gestes. Là. On est à une époque là, qu'il faut un courage politique, assumer vraiment, s'enlever la tête dans le sable, puis passer à l'action, puis des actions courageuses. Donc ici, là, on est dans un dernier bastion, là, qu'on a une qualité de vie incroyable comme ça, puis on veut continuer à faire comme si de rien n'était, continuer à construire des autoroutes, mais c'est plus ça, là. C'est vraiment pas là qu'on doit être en 2018. Il faut prendre des gestes, des actions courageuses. Puis il n'y a pas beaucoup de politiciens qui sont prêts à ça. Donc moi, la politique, à travers mes années de militantisme, je me suis éloigné de plus en plus de la politique. Puis j'ai une mission dans la vie, c'est de protéger le territoire, puis j'embarque pas dans les games politiques, ou de moins en moins, puis j'essaie d'influencer les décisions d'une façon militante et non en m'impliquant dans un parti politique. Puis chacun a son chemin, mais moi, c'est pas le chemin que j'ai choisi, là, la politique. Partisane, du moins. Non, il n'y a pas beaucoup dans ce cas. Moi, de mon côté, j'ai pas vu le monde courir après moi, faire partie de mon comité. Les gens sont pas vraiment intéressés. Les gens prennent pour acquis le lac. Il est beau, puis quand ils le regardent, eux autres, ils voient juste de l'eau. Mais moi, je vois ce qu'il y a en dessous parce que je me baigne dedans avec un masque près du bas. Puis selon moi, il n'est pas aussi en santé qu'il en a l'air. C'est comme quand je rencontre mon voisin, mon dos, t'as de l'air en santé. Il me regarde, dit non, je viens de passer des examens, j'ai un cancer. Tu sais, ça se voit pas comme ça, savoir si un lac est en santé ou pas.
C'est plus difficile de sensibiliser les gens dans des régions comme ça où est-ce qu'il y a peu de développement, puis où est-ce que les lacs sont, ont l'air en santé, qu'on le regarde comme ça sur la surface, là, on pense que tout va bien. Les gens veulent tout arracher, ils trouvent pas ça beau, les plantes aquatiques. J'ai rencontré un scientifique à un moment donné qui m'avait dit, « Madame Wood, apprenez à aimer les plantes. » C'est ce que j'ai fait. J'ai appris à aimer les plantes, j'ai appris à les découvrir, à les apprivoiser. C'est une beauté de la nature. Puis on ne peut pas lutter contre la nature, il faut s'adapter. Donc une zone comme ici, ça ne donne pas, pratiquement pas grand-chose les enlever, ils vont finir par repousser. Le monsieur essayait de tout enlever avec son râteau, tout ça, mon ancien propriétaire disait que c'est parce qu'il n'y avait pas pataugé dans le lac depuis un certain temps, c'est pour ça qu'il y avait des sédiments. Fait que là, j'ai dit, je pense que vous avez une grosse corvée à faire. Il dit, bien là, dernièrement, on va se baigner au large, il dit, avec le pédalo. Bien, je vous conseillerais, j'ai dit, de faire ça, parce que la nature va reprendre son cours puis va reprendre sa place. Fait qu'il ne faut pas lutter. Je lui ai expliqué comme anecdote, bien, en vieillissant, on vient qu'on a des rides, hein? Faut les accepter. J'ai dit, notre lac a pris un coup de vieux. Au lieu d'avoir des rides, lui, il y a eu des plantes aquatiques. Fait qu'il faut les accepter, les plantes aquatiques. Faut les vivre avec, puis vivre autrement qu'avant. Mais comme comportement humain, je pense que les gens, on a encore beaucoup à apprendre au niveau de l'interaction avec les lacs. Les gens vont souvent apporter dans des lacs, au sud-bord des lacs, les habitudes urbaines, donc la pelouse jusqu'au bord du lac, les beaux aménagements paysagers, tout ça, mais là, c'est pas ça que le lac a besoin. Le lac a besoin d'ombre, il a besoin de plantes. Aussi, présentement, on a des outardes, des bernaches, qui, eux, dès qu'ils voient de la belle pelouse fraîchement tondue, sont attirés. Mais les gens se fâchent après les bernaches, mais c'est qu'eux ont créé un habitat propice pour la bernache, une attirance pour les terrains. Les terrains de golf sont envahis par ça aussi également. Bien, dernièrement, j'ai vu une amélioration. Oui, je suis optimiste. J'ai vu que je pense que la nature est assez forte. Il y a quand même une force de la nature qui fait que le lac revit actuellement. Il y a plus de poissons, il y a plus de grenouilles. Mais c'est pas parce qu'il revit qu'il faut pas y en prendre soin. On peut regarder l'évolution d'une société, pas juste à ce qu'elle construit, mais aussi ce qu'elle refuse de détruire. Puis ici, dans le cas qui nous concerne, de faire des barrages pour des petites productions, parce que là, on parlait des 36 projets privés d'électricité de barrage. Ces 36 projets-là, là, le total de ça, c'était 420 MW. Donc, c'est même pas assez pour faire fonctionner une aluminerie. Là, c'est ridicule. Quand on regarde la centrale de Bécancour qui est fermée, là, qui a fonctionné un an et demi, là-bas, c'est 600 MW. Donc, une centrale au gaz. Là, est-ce qu'on bétonne 36 rivières au Québec pour aussi peu d'électricité? Poser la question, c'est y répondre, surtout en période maintenant de surplus. À cette époque-là, bon, Hydro-Québec prévoyait d'arriver en déficit énergétique, mais bon, leurs prévisions ne se sont pas avérées du tout. Bien, c'est drôle parce que maintenant, tu sais, on nous prend un peu plus au sérieux. Là, dans le temps de Kakuna, Philippe Cannon nous appelait les bloqueurs de projets professionnels. Moi, je lui ai répondu, j'aime mieux être un bloqueur de projet professionnel qu'un promoteur amateur. Parce que, tu sais, souvent, les projets qu'ils nous proposent, ça fait pas de sens. Puis c'est nous qui avons l'air des utopistes, c'est nous qui avons l'air des pelleteux de nuages. Mais quand on regarde la situation climatique à l'heure actuelle, ça demande une révolution. Ça demande pas juste des petits gestes, un petit geste à la fois. Là. On est rendu à une époque que si on fait rien de majeur, c'est un changement de paradigme. Puis ça, c'est les experts de l'ONU qui le disent, c'est le GIEC qui le dit d'un rapport à l'autre. C'est tout le temps les pires scénarios qui sont amenés, puis les prévisions dépassent toujours ces pires scénarios-là. Donc, c'est de se mettre la tête dans le sable là, en pensant qu'en faisant des petits gestes, en ayant des voitures électriques, ben oui, mais les voitures électriques, à part au Québec, là, si l'électricité vient du charbon ou du gaz, on n'est pas plus avancé. Donc, on a cette espèce de mentalité-là, de pensée magique, qu'on pense qu'encore qu'on peut s'en sortir, qu'on va éviter la crise.
Mais on est dans notre monde complètement isolé ici en pensant que, en comprenant pas que la crise, là, il y a le trois quarts de la planète qui sont en situation de crise présentement, qui sont en mode survie. Qu'est-ce qui doit être fait dans notre rapport à l'eau? Je pense que y a quelqu'un qui est passé ici, qui est parti tantôt. Je pense qu'il doit avoir une réappropriation dans le rapport à l'eau. Lui, il est parti sur un délire de monter des trousses pour... des trousses pour soi-même évaluer la qualité d'eau d'une rivière, mesurer les sédiments, mesurer les contaminants en suspension. Et c'est le genre d'initiative qui doit arriver. Le monde doit se réapproprier la qualité de l'eau des rivières. Il doit y avoir des gens qui gardent, qui sont des gardiens de tout ça, puis qui cherchent activement à comprendre d'où viennent les problèmes quand il y en a. Il y a quelques années, là, ça devenait difficile avec toutes les coupures qu'on a vécues là, dans le financement, les coupures de postes dans des instituts comme l'Institut de Maurice Lamontagne. Mais là, ça commence à aller mieux. Et ils réembauchent à nouveau. Les financements reviennent aussi au niveau de la recherche pour nous. Ben, le fleuve, je le trouve magnifique, là. Chaque fois que je le regarde, j'en reviens pas de vivre ici, là. Et puis, en fait, c'est un espèce de condensé de tous les processus intéressants qui m'intéressent, moi, qu'on retrouve dans l'océan et que je retrouve ici, dans une zone facilement accessible. On habite tout près, on a un navire pour y aller. Donc, c'est vraiment parfait. On a la chance d'avoir des très beaux lacs. Qui semble être encore en santé. Puis on en est bien fiers. Puis c'est eux qui font les vitrines là, de toutes les publicités pour le Bas-Saint-Laurent. Ben, les lacs au Québec, je me rappelle une phrase de Serge Bouchard dans le récit sur les lacs qui a passé dernièrement. Il disait que les lacs, c'est un endroit où l'eau prend une pause, qu'elle arrête de courir. Bien, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça qu'on voit les lacs ici. C'est pour prendre le temps, souvent venir prendre des vacances autour d'un lac, relaxer, contempler ou juste décrocher. Donc, c'est un rapport qui est très fort là, entre les Québécois puis les lacs, selon moi, mais c'est un rapport qui ne tient pas suffisamment compte de leur fragilité. Puis... en tant qu'écosystème. Donc, les usages qu'on en fait, on ne prend pas conscience des impacts que ça peut avoir, puis à quel point ça peut avoir une influence, là, finalement, sur leur avenir. Et donc, l'usage qu'on va pouvoir en faire. Donc, c'est ce que je pense. Je pense que c'est un élément qui fait partie des Québécois, mais qu'on n'en prend pas suffisamment soin. Je pense définitivement, en fait, l'art peut avoir un impact. Tu sais, c'est super cliché à dire, mais une image vaut réellement mille mots, puis c'est vrai. Surtout dans des cas de photographie sous-marine, dans le sens où, comme je le disais tantôt, en fait, c'est que c'est pas tout le monde qui a la chance de l'observer. Nous, on partage une image, puis si, ensuite de ça, on ajoute quelques mots pour expliquer ce qu'on a vu ou ce qui est observable, bien là, ça a vraiment un double impact. Que ce soit pour la conservation d'espèces ou même juste pour partager la présence de ces espèces-là, justement. Puis j'essaie de plus en plus de toujours associer des petits textes descriptifs ou des... ne serait-ce que le nom latin de l'espèce ou qu'est-ce que c'est qu'on a observé, qu'est-ce qu'il y a sur l'image pour que les gens, justement, se sensibilisent à ce qu'il y a dans la région. Là. Puis oui, c'est sûr que l'art aide beaucoup, peu importe sa forme, photographie ou autre. Là. Puis oui, on s'attache un peu aux images qu'on crée aussi, entre autres parce qu'on se dit... À titre d'exemple, des photos de caribous montagnards dans le parc national de la Gaspésie, rien à voir avec l'eau, mais je sais que peut-être dans 10 ans, ça va être des photos archivales, fait que c'est super intéressant de les prendre. Puis ça se peut que ce soit le même principe pour tout ce qu'on voit dans le Saint-Laurent aussi. On est en simultané entre ici à Sainte-Luce-sur-Mer, puis à Longueuil, à Montréal. Puis au bout de notre événement aujourd'hui, on va peser la quantité de déchets qui aura été ramassée.
La mission Distance, c'est pas juste deux personnes. La mission Distance, c'est des milliers de personnes qui nous suivent sur Facebook, puis des milliers de personnes aussi qui participent à chacun de nos événements. La mission Distance, elle se veut inclusive, donc il n'y a pas un organisme en particulier qu'on supporte, mais on souligne les efforts de n'importe qui, n'importe quel organisme qui aura fait une action pour nettoyer un petit bout de rivage dans n'importe quelle région du Québec et même ailleurs. Et puis, bien, les événements comme aujourd'hui, c'est plusieurs citoyens qui viennent se joindre à nous pour contribuer à cette grande vague de nettoyage collectif un peu partout sur tous les rivages de la planète maintenant. Bien, ici, c'est particulier parce qu'on est probablement les plus chanceux sur la planète d'avoir autant d'eau potable, d'eau douce, des réserves un peu partout. Mais on est parmi les plus grands consommateurs. Le fait d'avoir autant d'eau, j'ai l'impression que c'est que ça nous a éloignés de l'importance de cette ressource-là qu'on a. Dans la crise qui s'en vient, justement, il va falloir qu'on soit conscient de ça. Il va falloir qu'on change notre façon de voir l'autre aussi. Les réfugiés climatiques, c'est déjà une réalité. On va en avoir de plus en plus. Ça va commencer par des Montréalais qui ne sont plus capables de passer l'été à Montréal parce qu'il fait trop chaud l'été, qui s'en viennent dans l'Est. Mais il va y avoir de plus en plus de gens des pays qui sont en situation de stress hydrique. Il va falloir qu'on soit capable d'accueillir ces gens-là ici. L'immigration, de la façon dont c'est géré présentement au Québec, on est vraiment... on ne comprend pas là, la réalité qui nous pend au bout du nez. Il faut être capable de s'ouvrir à l'autre, d'être ouvert à ces gens-là qui vont avoir besoin pour leur survie de venir à des endroits comme ici. Donc, si nous autres au Québec, avec tout l'espace qu'on a, les ressources qu'on a, on n'est pas capable de les partager avec les autres humains sur la planète, je me demande c'est qui va être capable de le faire. Donc, c'est vraiment, on a une grosse évolution à faire dans les prochaines années. Est-ce qu'on va faire cette évolution-là avec l'éducation, de la sensibilisation? Ben non, on va se le faire enfoncer de force. Ça, c'est toute la question qui est posée là, pour les prochaines années. Mais je pense que le Québec, les Québécois, Québécoises, face à cette ressource-là qui est l'eau potable, l'eau douce, on se doit d'être plus conscient de notre chance. Et en étant plus conscient de la chance, on va avoir plus tendance à vouloir protéger cette ressource-là qui est nécessaire à la vie sur Terre. Là.